Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire. Omnisport, on se dirige 13 novembre, match Sénégal-Congo pour le premier match des éliminatoires de la CAN 2021. Mais il y a une chose, il y a une inquiétude pour Aliou Cissé. Donc, il y a un titre, il y a un ragal, mais Aliou Cissé, il y a un ragal par rapport à ses excentrés. Bon, c'est l'excentré sénégalais, ça y a un match compétitif, ça y a un match football, du duel, du performant. Sinon, les trois autres convoqués par Aliou Cissé, dernièrement face au Brésil, Ken actuellement n'est que titulaire indiscutable. Ce club, Sarajoub, il ne marche pas à Angers, il est remplaçant. Il n'a joué que 7 minutes pour une seule passe décisive. Donc Sarajoub, 337 minutes de jeu. C'est un peu faible pour un joueur qui veut exploser en équipe nationale du Sénégal. Même chose pour Ismaël Assar. Un but en 7 matchs. Donc Ismaël Assar qui est actuellement un peu blessé. Donc 268 minutes jouées, c'est famélique, c'est faible, c'est rachitique comme bilan pour Ismaël Assar qui n'a pas beaucoup de temps de jeu et qui peine à s'adapter dans le championnat anglais. Même chose aussi pour Diabaté Keita. Moi, cette année, Diabaté Keita n'a pas beaucoup remplaçant tout de suite. Il passe des yves, il a marqué 2 buts, donc 8 matchs joués et la plupart des matchs en tant que remplaçant. Ben match titulaire là, face au Stade de Reims, donc 178 minutes jouées, donc moi, je vais tout de suite. Ça, je vais tout de suite remplacer. Ça montre aussi que les excentrés des Lions du Sénégal, Aliou Cissé doit se faire du souci. Aliou Cissé, on a dit qu'il y a un gérer le problème parce qu'on n'a pas des excentrés en forme. À part Sadio Mané, Sadio Tchoub, Ismaël Assar, Keita Balde Diaw, quel n'est qu'une petite forme. Tout aussi, ça peut nuire au rendement offensif des Lions du Sénégal. Donc là aussi, c'est un problème que doit résoudre, que doit donc prendre en compte Aliou Cissé. Les excentrés des Lions du Sénégal ne sont pas en forme. Maintenant, comment faire pour pallier à ce problème? Parce que Mouno n'est remplaçant ce club, veut gagner l'équipe nationale à chaque fois, d'être compétitif, parce qu'un joueur doit avoir des minutes dans les jambes pour être compétitif, pour être donc tranchant avec l'équipe nationale du Sénégal, comme le fait Sadio Mané, Kyle Koulibaly, Idrissa Gueye, Mbaye Niam, mais Ismaël Assar, Diabaté Keita, Sadio Tchoub, les ailes du Sénégal souffrent. Donc, quelle solution pour Aliou Cissé? Le milieu terrain de l'équipe nationale du Sénégal a besoin de 109 et il y a un joueur qui est actuellement en pleine forme, c'est Sidy Sarr. Donc Sidy Sarr Rennes, mon gars, début de saison bu bah. Donc l'ancien joueur de Mbour Port Coat, actuellement âgé de 23 ans, mon gars, début de saison bu bah avec Nîmes. Donc Nîmes a gui dafa saf sap wax hat la def avec l'Olympique de Nîmes parce que pour l'instant, il a joué 10 journées. Donc Sidy Sarr actuellement mon petit format, joué 10 matchs de Ligue 1 française. Au total cette saison, il a joué 12 matchs sur commission confondue, 480 minutes et pour l'instant, une seule passe décisive. Donc Sidy Sarr qui a un profil différent des autres milieux de terrain de l'équipe nationale du Sénégal. D'abord, c'est un gaucher, il est de grande taille, il peut marquer de la tête, il peut tirer de loin. On l'a vu face au Brésil, il a failli marquer face au Soudan à Khartoum, il a marqué le but vainqueur qui nous a qualifié pour la CAN 2019. Donc ça se voit que Sidy Sarr peut être une alternative à Aliou Cissé au niveau du milieu de terrain. Motax may indi laaj Sidy Sarr et ce jotul ñu may ko chance au milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal parce que même dina apporter diversité avec son pied gauche, c'est un joueur technique qui peut marquer des buts et qui peut apporter du 109 au niveau du milieu de terrain. Donc Sidy Sarr pourrait avoir sa chance face au Congo Brazzaville ici au Stade Ladior. Donc Sidy Sarr la ngay xalat ci Sidy Sarr Aliou Cissé titularisé ko face au Congo Brazzaville ici à Dakar. En tout cas, il fait partie des valeurs sûres de l'équipe nationale du Sénégal parce que cette saison, il est compétitif surtout en Ligue 1. Dans mon jeu Ligue 2, Meren, il est titulaire en Ligue 1 française et dernièrement, il a été titulaire lors du match entre Reims et Nîmes. Donc Sidy Sarr peut être une alternative, une solution au niveau du milieu terrain de l'équipe nationale du Sénégal. Donc Sidy Sarr crève Diata ci milieu terrain bi ay xalé lañ mëna ñu football té soxor nañ doomu gayna ndjay warul tié warul ragal légui ku bëgg abonné compte Instagram Grégoire Omnisport da ngay tapé Grégoire tiré du bas Omnisport Grégoire tiré du bas Omnisport page Facebook Grégoire Omnisport Snapchat Grégoire Omnisport donc partout c'est Grégoire Omnisport moi Snapchat Instagram Facebook YouTube Grégoire Omnisport vous serez toujours informé sur tous les réseaux.